Alors, on a beaucoup de travaux de très grande qualité ici. Il y a des styles de photographie très différents. Moi, j'ai adoré les noirs et blancs, notamment de Philippe Hirsch. Il y a des choses qui sont plus dans l'aspect social, reportage. Puis il y a aussi des choses un petit peu plus contemporaines, où on sent qu'il y a une réflexion. Moi, j'ai été vraiment très intéressé par toutes les esthétiques qui sont présentes ici. Et je trouve que les supports rendent vraiment hommage à différents types d'approches de la photographie. On peut faire du noir et blanc avec une esthétique argentique. On peut travailler sur des couleurs saturées. On peut travailler sur des couleurs douces. Je crois vraiment que les procédés de reproduction permettent une grande créativité. Très original, très oui. Bien. Je dirais que c'est très diversifié en fin de compte. On a plein de couleurs de ci, de là. Et les noirs et blancs sont bien, les photos noirs et blancs sont bien aussi. Là, il y a le mélange des couleurs. Et du noir et blanc. Et ça se marie très bien, c'est très bien fait. Moi, j'aime bien les personnages. J'aime bien les personnages. Je trouve que ça leur donne... Enfin, on a l'impression qu'ils sont vivants. On fait une image et comment on arrive à cette chaleur. C'est un très beau projet pour nous. On avait dit dans les agences banques privées et surtout dans cette agence qu'on réaliserait régulièrement des expositions sur des thèmes d'art contemporain, de photographie, de sculpture. Donc ce soir, c'est la photographie avec un site internet qui s'appelle Art Freely. Marc Le Forestier permet finalement à des artistes de la photographie de publier leurs œuvres. Effectivement, Art Freely, c'est un site internet qui est né il n'y a pas très longtemps et qui... c'est plutôt notre passion qui nous a menés là. On a eu envie de mettre en avant des artistes et donc on essaye au maximum de reproduire donc des œuvres que vous pouvez voir partout sur les murs. Moi, j'étais surpris de la diversité des photos magnifiques, et puis alors un rendu incroyable. Hein. C'est vraiment très impressionnant, très très beau. Ce qu'on voit en fait dans les photos, c'est la qualité de l'image, la qualité de la lumière. Je pense que les artistes doivent être très fiers de cette exposition. Il y a déjà beaucoup de monde. Donc je crois que c'est un très bel événement pour nous à partir du moment où nos clients sont contents. On les remercie d'avoir exposé chez nous. C'est agréable de travailler avec toutes ces œuvres. Je suis vraiment stupéfait par la qualité des tirages. Je crois que les règles de l'agrandissement classique par rapport aux définitions recommandées sont battues en brèche et c'est quelque chose de très positif puisque vraiment la créativité peut s'exprimer dans une dimension nouvelle grâce à ce procédé de reproduction. Je suis vraiment très satisfait. On sent qu'il y a un rendu qui a été respecté et c'est touchant. On est touché par l'image.